Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette petite vidéo de mise au point où je vais vous parler principalement de Twitch. En fait, j'ai juste un petit truc à vous dire là-dessus et puis je vais en profiter évidemment pour vous dire où on en est un petit peu dans toutes les séries comme d'habitude. Donc, par rapport à Twitch, j'ai constaté que sur certaines rediffusions, il y avait un petit souci. Alors, c'est assez rare, mais quand ça arrive, c'est vraiment casse-couille. Il y a le son qui est complètement coupé, même sur la rediffusion, c'est-à-dire la rediffusion que je mets directement sur YouTube. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais un live, j'importe j'importe les rediffusions qui sont déjà sur Twitch directement sur YouTube. Parce que, normalement, vous le savez, sur Twitch, maintenant, au bout de quelques jours, ça disparaît définitivement. Donc, c'est plutôt intéressant d'importer directement sur YouTube. Le problème, c'est que sur Twitch, ils ont maintenant une espèce de bot, eux aussi, qui leur permet de détecter les contenus sous droit d'auteur. Donc ce qui fait que quand il y a un contenu sous droit d'auteur qui est détecté, c'est pas comme sur YouTube par contre. Là, à ce moment-là, il nous coupe carrément le son pendant un quart d'heure. Me demandez pas pourquoi un quart d'heure, ça pourrait être genre coupé juste sur la durée du contenu en question. Non, il coupe un quart d'heure. Donc ça fait que pendant un quart d'heure, vous n'avez pas de son si vous regardez directement sur Twitch. La plupart du temps, quand on importe sur YouTube après avoir fait ça, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire qu'on a quand même le son, même au moment où c'était coupé sur Twitch. Mais là, parfois, il y a des bugs sur certaines vidéos, notamment sur la dernière partie de Saints Row 4 que j'ai fait ré récemment avec Xerès, où malheureusement, il était impossible de l'importer sur YouTube. À chaque fois, ça me rejetait la vidéo, je sais pas pourquoi. J'ai réussi à trouver une faille. Le problème, c'est que ben, on se retrouve sans le son. Et c'est assez problématique. À moins qu'il l'ait mis entre-temps, mais ça m'étonnerait. Ouais, non, là je viens de vérifier, il n'y a toujours pas le son. Donc voilà, ça fait que toute la fin du jeu, en fait, si vous la regardez sous forme de rediffusion, vous allez la voir sans le son. Donc je suis vraiment désolé du coup pour ceux qui suivaient Saints Row 4 avec Xerès, parce que je sais qu'en plus, quand on en était à la fin du jeu, il n'y avait plus grand monde sur le live. On était 4 ou 5, je crois. Je suis même pas sûr qu'on était 4 ou 5 d'ailleurs. Il y avait Chrony, c'est sûr, et il y avait, je crois qu'il y avait 2 ou 3 autres viewers, mais. Je sais même pas s'ils avaient un compte, je crois qu'ils étaient pas connectés, enfin il y avait une connerie comme ça, mais en tout cas on n'était vraiment pas beaucoup, donc ça fait que vous êtes nombreux à avoir loupé la fin et que vous ne pourrez même pas la voir en rediffusion, enfin vous pourrez, mais vous aurez pas le son, donc ça sert à rien, ça a aucun intérêt. Donc voilà, je suis vraiment désolé, on va pas refaire la fin exprès, hein. De toute façon c'est un live, donc, techniquement les rediffusions c'est du bonus et la plupart des gens ne font même pas de rediffusion. Moi c'est assez exceptionnel parce que j'ai envie que les gens qui n'ont pas forcément le temps de regarder sur le coup puissent quand même les voir après. Qu'ils aient quand même la possibilité de le faire. Même si vous n'êtes pas nombreux à le faire, au moins je sais qu'il y en a quelques-uns qui le font et que ça leur est utile. Bref, voilà. Bon, bah du coup, vous l'avez un petit peu dans le cul pour le dernier épisode de Saints Row. Enfin, le dernier entre des guillemets, on a les DLC à faire après. Mais voilà, pour la fin du jeu en tout cas, vous l'avez un peu dans le cul. Et je crois que ça avait fait exactement la même chose sur un truc de Fallout 3 à un moment. C'était un viewer qui me l'avait fait remarquer. Moi, j'avais pas remarqué en plus. Parce que moi, je rediffuse et après, bon, bah, je vais pas regarder le contenu sur YouTube. C'est des trucs de 2 heures en général. Voilà. Je vais pas m'amuser à regarder un live en entier. Donc, c'est un viewer qui m'a fait remarquer et qui m'a dit qu'il y avait pas de son. Il m'a demandé si c'était normal ou un truc comme ça. Et c'est là que j'ai constaté qu'il y avait un petit souci. Je pouvais même pas le re-rediffuser de toute façon, puisque entre-temps ça avait disparu de la chaîne Twitch, c'était un peu baisé. Bref. Donc oui, pour ceux qui ne le savent pas, du coup j'en profite. Effectivement, j'ai une chaîne Twitch où je diffuse du contenu en ligne. Enfin, du contenu en ligne, non, du contenu en direct, c'est plus exact. Après, c'est en ligne une fois que j'ai rediffusé, mais bref. Et en général, je fais ça avec Chrony ou Xerès, parfois tout seul. Mais voilà, si je suis accompagné, généralement c'est de Chrony et Xerès. Ça peut être d'autres personnes aussi, mais c'est plus rare les autres. Donc si jamais ça vous intéresse, vous avez. Dans chaque vidéo, sachez-le, hein, c'est super important, mais sachez que il y a tout ce qu'il faut pour me contacter, et il y a la chaîne Twitch, elle est dedans. Et en général aussi, pas toujours, mais la plupart du temps, quand je vais en live. Alors normalement il y a un système d'annotation mais je crois que c'est pas au point parce que j'ai pas l'impression que ça fonctionne. J'avais vérifié une fois, ça marchait pas. Peut-être que c'est au point depuis, j'en sais rien. Mais de toute façon, dans tous les cas, en général, je fais en sorte de mettre une vidéo d'annonce, une annonce type live en fait. En fait, c'est toujours la même vidéo que je mets en ligne à chaque fois, mais du coup elle est mise en avant puisque je la mets en ligne sur le coup.
ça vous permet de savoir que je suis en live. Évidemment, ça précise pas sur quoi, puisque c'est une vidéo type et qu'elle a été préparée il y a plus d'un an maintenant. Mais voilà, au moins ça vous permet de savoir quand est-ce que je suis en live, même si je suis pas. J'aime pas trop le principe de ce genre de vidéo où ça fait un petit peu robot qui lit son texte, mais bon, j'ai pensé que c'était pratique et ça l'est, parce que ça permet quand même à pas mal de gens de voir directement que je suis en ligne, enfin que je suis en live. Parce que j'ai vu qu'il y a certaines personnes aussi. Normalement, vous êtes supposé recevoir un mail quand vous êtes abonné à ma chaîne Twitch, mais il y a des gens, apparemment, ça bug et ils ne l'ont pas. Et il y a des gens qui tout simplement ne s'abonnent pas à la chaîne Twitch ou encore qui n'ont même pas de compte Twitch pour s'abonner. Donc ça fait que bah, ça leur permet quand même de voir que je suis en ligne. Par contre, je vous conseille quand même, après c'est une suggestion, faites ce que vous voulez. Mais si vous vous inscrivez, ça peut être pas mal parce que ça vous permet quand même d'interagir non seulement avec moi mais avec les autres viewers. Et ça, bah, c'est toujours une bonne chose, plutôt que de regarder en tant que spectateur un live. Enfin, moi, personnellement, quand je vais regarder un live, je vois pas l'intérêt d'être juste spectateur et de pas pouvoir interagir avec la personne. Les lives, c'est fait pour ça. Donc, autant profiter de ce que Twitch nous offre. Hein. Bref. Donc, maintenant que j'ai parlé de Twitch, on va parler un petit peu de où on en est dans chaque série. J'ai regardé mes playlists, comme ça me permet de rien oublier. Me connaissant, je vais oublier quelque chose sinon. Bon, vous le savez, Dragon Age 2 est terminé, maintenant ça commence à faire un petit moment. Dragon Age Inquisition arrive, si je dis pas de bêtises, le 20 novembre. Donc, j'essaierai de vous publier la première vidéo le plus vite possible, mais je vous promets rien. C'est pas facile de publier une vidéo Day One, ça va être très compliqué, je vous le dis, hein. Et puis en plus je vais avoir envie de jouer moi à côté, donc voilà, ça va me prendre du temps. Voilà, vous inquiétez pas, je ferai en sorte quand même que Dragon Age Inquisition, le premier épisode en tout cas, arrive assez rapidement. Les autres après j'essaierai de reprendre un rythme normal, mais il faut vraiment que le premier épisode, je fasse en sorte qu'il arrive rapidement. Parce que sinon je me connais, si je commence à jouer à Dragon Age Inquisition, je vais plus lâcher et je vais plus rien vous publier. Donc voilà. Par contre, je vous le ferai probablement pas en découverte. Je suis pas sûr, mais franchement, le truc, c'est si je vous fais ça en, si je vous fais ça en découverte, Dragon Age. Enfin, le problème avec Dragon Age, c'est souvent que c'est bourré de menus. Il y a plein de trucs à apprendre. Je me suis pas du tout renseigné. Me dites rien. Hein. C'est le premier qui me dit quelque chose, je prends un tueur à gages et il crève. Non, je plaisante, mais sérieusement. Ne me dites rien parce que je me suis très peu renseigné sur Inquisition, je ne sais quasiment rien du scénario. Il y a quelques petites informations malheureusement qui sont arrivées à mes oreilles ou à mes yeux, ça dépend. Rien qu'avec des screens, des fois, ça peut parler pour beaucoup de choses. Voilà, pour information, j'ai quasiment pas regardé de screen non plus, mais des fois, quand je cherche des informations sur Dragon Age Origins et Dragon Age 2, il m'arrive de tomber sur des trucs de Dragon Age Inquisition sans le vouloir, et du coup, ça m'est arrivé de tomber sur quelques petits spoils, notamment certains personnages qui reviennent. Après, certains personnages qui reviennent, c'est pas le plus grave, mais je vous le dis, même ça m'emmerde. C'est pour vous dire à quel point je suis contre le spoil, quoi. Même le fait de savoir qu'un personnage va revenir ou ne va pas revenir, c'est un truc qui m'énerve parce que du coup, on en arrive à réfléchir à comment il revient, pourquoi il revient, alors que s'il nous arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe, le personnage, bah, on s'y attend beaucoup moins. Enfin, on s'y attend un petit peu au fond de nous, hein, bien sûr. Mais je veux dire, au moins, ça nous surprend un peu. Alors que si on sait à 100% que le personnage revient ou que le personnage ne revient pas, enfin, en l'occurrence, par exemple, si le personnage revient, bah, on va se dire, putain, quand est-ce que revient ce personnage? Putain, j'ai envie de le revoir. Voilà, vous voyez? Et voilà, c'est vraiment pour ça que, même pour ça, je préfère éviter de savoir qu'un personnage revient. Faut le savoir. Généralement, si on me dit qu'un personnage revient, je vous en veux pas spécialement. Mais ça m'énerve un peu, donc évitez quand même. Donc ne me dites rien hein, dans les commentaires sur Dragon Age Inquisition. Rien au niveau du scénario, rien du tout. Et surtout, qu'est-ce que je voulais dire? Bah, de toute façon, si je vois que ça parle de Dragon Age Inquisition, je supprimerai probablement le commentaire directement. Parce que je sais qu'il y a des trolls qui pourraient... Justement, parce que j'ai dit ça, essayez de me spoiler. Donc, à mon avis, si ça parle de Dragon Age Inquisition, je supprime le message directement. À mon avis, c'est comme ça que je vais faire. Je préfère être prudent.
Ou je regarderai pas du tout les commentaires de cette vidéo, au choix. Jusqu'à ce que Dragon Age Inquisition sorte. J'y arrive. Bref. Donc, je ferai probablement une partie de mon côté le premier jour avant de faire l'épisode du Let's Play. Et après, bah, on verra. On verra, on verra. Peut-être que je continuerai un peu avec mon personnage du Let's Play. Genre pendant 1 heure ou 2. Donc, ce qui fait qu'il y aura peut-être un peu de découverte quand même. Mais voilà, je préfère quand même ne pas aller dans le jeu à froid et connaître un minimum les menus. Parce que franchement, si pendant le let's play je suis perdu dans les menus dès le premier épisode, ça va vous gonfler, c'est clair et net. Non, faut pas vous faire perdre de temps, faut aller direct dans le vif du sujet. Et bon, il y aura quand même probablement des passages dans les menus, c'est évident. Mais voilà, qu'ils soient assez brefs et que surtout, il faut que je sache où je vais. C'est important. Ok, alors. Continuons. Attendez, parce que là je viens de voir un truc. Pourquoi? Ah oui, d'accord, je comprends. Alors en fait, c'est mal foutu le système de playlist. Enfin, c'est mal foutu. Le gestionnaire de playlist est mal foutu, je veux dire. Enfin, pas forcément mal foutu, mais je préférais qu'il soit organisé autrement. C'est pas grave, peu importe. Je vais regarder comme ça, on va s'arranger. Ok, alors. Pour Dragon Age. C'est fait. Canular téléphonique, on en a fait récemment. Catherine. Catherine, c'est. Bon, Catherine, il n'y a pas grand-chose à en dire. Ça se déroule plutôt bien. Ça avance à son rythme. Alors, c'est sûr que j'aurais préféré que ça aille un peu plus vite. Techniquement, ça aurait dû aller plus vite, mais c'est que là, du coup, je me retrouve avec trois trucs à la fois. Et voilà, je commence à me rappeler de cette période où j'avais du mal à tout gérer à la fois. Et d'autant plus que, et encore, ouais, si j'avais pas eu tout ça en plus à côté, mais c'est que j'ai eu quelques couilles aussi, notamment une coupure internet pendant quelques jours. Vous avez dû le remarquer, il n'y a rien eu pendant genre 2 jours. Puis après, quand je suis revenu, j'ai même pas tout de suite pu remettre des vidéos parce que j'avais quelques trucs à faire IRL notamment, puis il y a eu les lives, et voilà, donc du coup j'étais un petit peu pris par rapport à ça. En fait, paradoxalement, c'est normalement Samurai Warriors 4 aurait dû m'empêcher de publier des vidéos parce que j'aurais dû être à fond dedans, mais en fait, c'est au moment où Samurai Warriors 4 est sorti que justement j'ai publié à mort. C'est-à-dire qu'entre deux batailles, bah, je m'occupais d'un encodage, d'un montage, d'un upload, de manière à rattraper mon retard. Et comme le jeu est sur console, bah, ça tombe bien. Ça fait qu'au moins je peux encoder et jouer en même temps. Ça pose pas problème. Normalement, je peux pas encoder et jouer en même temps. Enfin, pas sur le même PC en tout cas. Et l'autre PC, pour jouer dessus, bah, c'est même plus la peine. De toute façon. Donc, ouais, avec cette coupure internet, plus pas mal de choses IRL, qu'est-ce que je voulais dire? Et bah, c'est à peu près tout en fait. Voilà, il y a encore 2 jours, normalement 2-3 jours où vous n'allez pas avoir de vidéo. Je sais pas quand est-ce que celle-ci va arriver, mais voilà. Je sais que là aujourd'hui on est le 29 octobre 2014 et que du coup, bah, vous pouvez juger par rapport à ça, mais normalement dans ces eaux-là, il n'y aura pas trop de vidéos par rapport à plusieurs trucs. Mais bon, je vais pas m'étaler sur ma vie non plus. Je vous dis juste que c'est un peu compliqué pour moi de publier pour le moment. Donc je me débrouillerai, mais normalement d'ici quelques jours, d'ici 1 ou 2 jours de plus, ça devrait pouvoir repartir tranquillement, et là on sera à un rythme comme avant, quoi. Ok, ensuite. Dynasty Warriors 3, ça aussi ça traîne. Ça m'emmerde un petit peu d'ailleurs parce que ça traîne beaucoup trop. Je sais pas si vous vous rendez compte le nombre de vidéos qui doivent être faites. Mais ça me paraît important que vous en rendiez compte. Parce que bon, je sais que par exemple, Aimer m'a parlé. Bon, il y a un moment déjà. Hein. Voilà, justement, il y a un moment. Il m'a parlé de comment j'allais m'organiser sur Dynasty Warriors 4. Et bon, je pense qu'Aimer passera par là, donc tu reconnaîtras cette conversation. Mais du coup, je lui ai dit, mais attends, on a encore le temps. Hein. Dynasty Warriors 4, il y en a pour un bon moment. Je sais pas si. Enfin, je pense pas que t'aies réalisé à quel point il y en a pour un moment. Dans le sens où.
non seulement là, il nous reste encore quelques let's play. Alors, pour information, je vous le dis, ceux qui passent par là, comme ça, bah normalement, en plus, si je suis logique, ça dépend comment je m'organise, mais normalement, avec un peu de chance, vous aurez cette vidéo après ça. Mais normalement, il y a un épisode, un premier épisode du let's play de Mengo qui sera sorti au moment où je publierai cette vidéo. Normalement, si tout se passe bien. Ça dépend comment je m'organise encore une fois. Mais voilà. Vous aurez normalement cet épisode-là. Après, il restera qui? Il restera donc Zuo, Zuron et Zhangjiao. Ça fait trois let's play. Ça fait trois let's play, donc faut compter. Il y a combien de batailles par Oui, il y a 7 batailles par épisode, excusez-moi, je m'embrouille. Il y a 7 batailles par épisode. 7 épisodes. Ouais, vous voyez, quand je m'embrouille, je dis n'importe quoi. Alors, il y a. Je reprends. Hein. Il y a 7 batailles par let's play. Donc, 7 vidéos par let's play. C'est comme ça que j'organise. Je fais une bataille, un épisode. Hein, pour ceux qui suivent pas Dynasty Warriors, n'hésitez pas à aller voir. Après, c'est vrai que Dynasty Warriors 3, c'est un peu vieillot. Et c'est des doublages qui sont pas forcément très immersifs, vu qu'ils sont pourris. Mais vous pouvez au moins vous marrer en écoutant les doublages parce qu'ils sont vraiment pourris. Je vous jure, je l'ai peut-être déjà dit plusieurs fois dans des mises au point, mais souvent on dit que Metal Gear Solid, les doublages français sont les pires doublages français qu'on a jamais eu. Mais regardez Dynasty Warriors 3. Hein. Dynasty Warriors 3 l'emporte largement sur Metal Gear Solid. Bref, donc ça fait que on a 21 vidéos techniquement, enfin 20 vidéos parce que normalement vous aurez un premier épisode de Mengo, 20 vidéos juste pour terminer les modes histoire. Après, il nous restera tous les items. Faut compter, je pense qu'on peut compter une bonne vingtaine de plus, peut-être même une trentaine. Et après, c'est là que c'est la violence, c'est quand je vais faire les quatrième et cinquième armes. Alors, on va regarder ça en direct. Mais normalement, je crois qu'il y a quelque chose comme 38 personnages dans Dynasty Warriors 3. Je dis peut-être une grosse connerie. Hein. Mais comment je peux vérifier ça? Est-ce que c'est indiqué quelque part le nombre de personnages? Je vais regarder sur le wiki. Si c'est pas indiqué, c'est pas grave. Mais normalement, c'est à peu près ça. Normalement, c'est à peu près ça. Alors. Non, en fait, on a la liste des personnages, mais je vais pas les compter à la main, c'est un peu casse-couille. Ok, non. Non. Ça a pas l'air d'être indiqué, malheureusement. Ouais, c'est pas indiqué le nombre, mais c'est pas admettons qu'il y en a 40. Admettons, hein. Ça fait que déjà, faut compter 80 batailles. Et ça va pas être des petites batailles en plus. Parce que ça va être des batailles en difficile et très difficile. Je crois que c'était même pas KO à l'époque, je crois qu'il disait très difficile. Donc, c'est des batailles que je suis même pas sûr de réussir du premier coup. Ça va être extrêmement long tout ça. Et du coup, je sais pas trop comment m'organiser. Parce que je me dis que. Du coup, je réfléchis en même temps avec vous. Hein. Ça peut être aussi une occasion de réfléchir, même si j'ai réfléchi depuis un moment. Parce que je sais que voilà, 80 batailles, ça fait le double de ce qu'on a fait actuellement déjà. Et je vois que bah, Dynasty Warriors 3, ça traîne énormément. En sachant que voilà, je suis même pas sûr de réussir. C'est très très dur. C'est-à-dire que là, on me demande. Pour les quatrièmes et les cinquièmes, on me demande de jouer à haute difficulté, c'est une chose. Mais déjà, vous avez vu, en normal, Dynasty Warriors 3 est quand même vachement dur. Ça change par rapport aux épisodes actuels. Imaginez un peu ce que ça va donner quand on va être en difficile. Bah, on a déjà fait un let's play en difficile avec Zhangliao, hein, rappelez-vous. Les dernières batailles, c'était très dur. Imaginez en très difficile. Et en sachant que Zhangliao était à fond. Hein? Il était entraîné à fond. Donc voilà. Ça va être très très dur, notamment quand on va me demander de tuer tant d'ennemis en tant de temps.
ça va être très 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 dur. Je sais même pas si je vais réussir. C'est un défi que je m'impose. Je suis pas sûr de le réussir. Je vais faire de mon mieux pour le réussir. Si je réussis, tant mieux. Si je réussis pas, bah il faudra que je déclare forfait, hein, parce que voilà. Par contre, ouais, c'est vraiment au niveau de l'organisation. Vous imaginez un peu 80 vidéos à encoder, uploader, puis on va mettre en ligne. Après, ça c'est pas un souci. Mais ne serait-ce qu'à encoder et à uploader, ça va prendre un temps fou, en sachant que je fais des trucs à côté. Et voilà, du coup, je sais pas, je réfléchis à une solution alternative. Je pense que ça peut être pas mal. Attention, hein, je dis que ça peut être pas mal, mais après, c'est assez. Faut vraiment que ma connexion reste stable, on va dire. Si ma connexion n'est pas stable, ça va pas être top. Et ouais, ne serait-ce que dans cet opus-là, on verra pour les suivants, mais ne serait-ce que pour Dynasty Warriors 3, parce qu'on y a passé déjà énormément de temps, et ce serait bien de continuer la série. On a toute la série à faire, hein, derrière. C'est pour ça aussi, hein. C'est qu'on a toute la série derrière à faire. Je me dis que ce serait peut-être pas mal de faire ça sous forme de live et de les rediffuser. Parce qu'il n'y a pas de souci justement de droit d'auteur de ce côté-là. Vous êtes très peu à suivre Dynasty Warriors. Généralement, mes vues sur Dynasty Warriors, ça fait contraste par exemple avec des trucs comme Dragon Age que je faisais en parallèle. Il y avait quand même un gros contraste, hein. Donc, c'est pas très grave que je fasse ça sous rediffusion de live, mais le problème c'est que du coup faut vraiment que ma connexion soit stable, parce que si j'ai des pertes des drop frames, ça me ferait chier. Parce que du coup j'aimerais autant que ce soit des vidéos de qualité, quoi. Donc ça reste à voir. Ça reste à voir et ça va être très chiant à organiser, parce que j'ai vraiment envie de faire ça. D'une manière spécifique, c'est-à-dire que je veux vraiment, par exemple, faire une vidéo où on débloque l'arme, par exemple, de Zhao Yun, donc la quatrième arme de Zhao Yun, puis une vidéo où on débloque la cinquième arme de Zhao Yun, puis après une vidéo où on débloque la quatrième arme de Guan Yu, puis une vidéo où on débloque la cinquième arme de Guan Yu. Voilà, je veux vraiment que ça s'organise comme ça, et du coup, ça fait que c'est un peu compliqué, parce que si je veux organiser ça comme ça, sous forme de live, ça fait qu'il va falloir que je coupe, que je remette, que je recoupe, que je remette, pour que les rediffusions se fassent bien. Ou alors que je vois ça après, mais bon, ça va être tout un bordel aussi, parce que c'est vraiment pas pratique avec l'utilitaire de Twitch. Ou alors. Ouais, non, c'est con. J'allais dire une autre solution, mais du coup, ça revient au même. J'allais dire d'utiliser Fraps et d'enregistrer manuellement à côté. Mais non. C'est pas vraiment une bonne idée en fait. Ah mais non, mais j'ai une autre solution en fait. Excusez-moi, mais je réfléchis avec vous, mais en même temps c'est bien parce que le fait de parler des fois ça me permet de réfléchir à certaines choses en même temps, et là je viens peut-être de trouver la solution idéale, vraiment idéale. Ça m'évitera des encodages vraiment casse-couilles qui dureront je sais pas combien de temps. Généralement, j'aime bien faire un montage, un encodage pour pouvoir recaler le son comme il faut et tout, mais là, exceptionnellement, pour ça, je peux peut-être m'en passer. La solution, je vais vous la dire, c'est d'utiliser OBS, non pas pour live, mais pour enregistrer. Parce que l'avantage avec OBS, c'est que c'est tout calé d'entrée. Ah oui, mais non, mais il y aura un décalage. Je suis con. Bah oui, il y aura un décalage. Ouais, bah non, bah c'est mort du coup. Bon, bah j'y réfléchirai. Au pire, vous pouvez me donner vos avis sur le sujet, ça peut toujours être sympa. J'y réfléchirai, je sais pas trop pour le moment. Enfin, quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'il me reste à voir avec vous? Ah oui, il y a le tournoi de Metal Gear Solid 2 qui arrive à son terme, il a repris, vous avez pu le constater. Donc là, il reste.
Actuellement, au niveau du tournage, pour vous donner un ordre d'idée, on avait fait quasiment toutes les bombes. Je crois qu'on avait arrêté et qu'il nous restait que le cinquième niveau à faire, celui qui est très long. Et après, ben, il nous reste plus que tout ce qui est hold up, eliminate, all. Et je crois que c'est tout. Donc ça, c'est des modes qui vont très vite. Donc en fait, une fois qu'on aura fait la bombe, le reste, ce sera vraiment rien, quoi. Je suis désolé si vous entendez du bruit, c'est les voisins qui font du mouvement dans la cour. Mais bon, vous devez pas trop entendre normalement. Quoique. J'ai l'impression que le micro détecte un peu quand même. Bon, c'est pas grave. Bon bah voilà, je crois que c'est à peu près tout. Je crois que c'est à peu près tout. J'ai beaucoup parlé de Dynasty Warriors dans ce truc-là. Je crois qu'il y avait. Non, mais je suis persuadé qu'il y avait autre chose que je voulais vous dire, mais je sais plus quoi. Ah, ça me gêne. Ça me gêne. Ça se trouve, il n'y a rien du tout en plus. Hein. Oui, j'arrive. Bon, bref, je vais vous laisser. Vous voyez, là, je suis sollicité IRL. Rien que ça. Donc, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour une autre.